Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, j'ai refait encore une petite carte. J'ai refait en embossage, du coup, j'adore, je trouve ça super. Je vais vous montrer, comme la dernière fois, comme je fais à chaque fois, mon matériel que j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé ma planche à tampons, comme ça. Voilà. Qui est aimanté, qui tient les feuilles, qui est super pratique. Du coup, quand vous tamponnez, c'est hyper pratique. J'ai utilisé mon massicot. J'ai utilisé ma guillotine pour la première fois. Je ne l'avais encore pas utilisée. J'ai voulu la tester, voir si elle coupait bien. Elle coupe très bien. J'ai pris les cardstock. Non, j'ai des bêtises. Pas du cardstock. Je sais plus. Enfin, les feuilles design de chez Action. J'ai pris les noirs. Ensuite, j'ai pris comme feuilles les togas. Voilà, de ce bloc-ci, hop, le bloc Shabby Love. Voilà, j'ai pris, comme je vous montrais, avec des papillons, j'adore, hyper romantique. J'ai utilisé un embellissement, ces petites fleurs dorées qui viennent de chez Action aussi, vous les connaissez toutes. J'ai utilisé ces demi-perles de chez Créalia que j'avais acheté à Cultura. Et j'ai utilisé ces tampons-là, ces tampons vintage. Donc j'ai pris le fait main comme ça. J'espère que vous le voyez bien, le fait main. J'ai utilisé la plume et j'ai utilisé le santé. Et bonheur. Voilà, en tampon. C'est la planche vintage de chez Vanesse Créative et que j'avais eu, je sais plus dans quelle boutique, je sais plus. Mais j'avais dû faire un haul dans une de mes vidéos. Si vous voulez savoir d'où elle vient. J'ai utilisé aussi ces petits cœurs comme ça, en dentelle. Voilà, il y en a plein. Voilà, j'ai pris ces petits cœurs dentelle. Je vais vous montrer après. Hop, je range tout de suite ce que j'en ai fait. Ça, la planche. J'ai utilisé mon tampon encreur comme ça qui est très pratique normalement, qui se hop des scratch. J'ai utilisé la Easy Ink pigment métal. Voilà, j'ai tamponné, j'ai fait du tamponnage. J'ai refait du coup, comme ça m'a plu là, tout à l'heure, parce que du coup je refais une vidéo derrière celle que j'ai faite, hein. Voilà, j'ai refait de l'embossage à chaud, donc ma Versamarque, qui est comme ça, hein, c'est de l'encre colle, voilà, mais bon, je pense que vous connaissez toutes. J'ai utilisé la Easy Ink Relief Gold Extra Fine, elle est super jolie, je voulais voir quel effet ça faisait. Bon, le fameux plioir pour plier ma feuille. Ma colle glue de chez Action, ma machine à embosser. Donc j'ai ma collègue Carinette qui m'avait dit le nom, mais je m'en souviens plus. Donc voilà, ma machine à embosser à chaud. Voilà, et c'est tout. Et maintenant je vais vous montrer la petite carte que j'ai faite. Voilà. Elle est comme ça.
voilà, avec l'embossage. Voilà. Alors, ça m'a fait des petites taches un peu pailletées. Je me demande si j'ai pas été y mettre mes doigts sans faire attention. Je sais pas trop. C'est possible que j'y ai mis mes doigts. Voilà, il y aura mes empreintes. Voilà. Comme ça. Avec le papier et qui est comme ça. Voilà, je voulais utiliser enfin du noir. Parce que je voulais voir ce que ça donnait avec le doré. Voilà. Cette petite carte. Hop. Tac. Voilà les copinettes. Pour cette petite carte. J'ai bien aimé. Hein. J'adore l'embossage à chaud. C'est super. Franchement, je le redis et je le re-redis. C'est vraiment top, quoi. Donc, je pense que je vais refaire encore quelque chose. On est samedi soir. Voilà, la télé, il n'y a rien. Mon mari, il est tranquille dans le salon. Et du coup, moi, je vais scraper tranquillement. Et je vous referai peut-être une vidéo derrière, hein, pourquoi pas. Hein, je sais pas. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. N'oubliez pas d'y mettre vos pouces. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Passez une bonne soirée.